Cela fait plusieurs années que Laetitia Hallyday s'est installée en Californie avec ses deux filles, Jade et Joy. La première, qui vient de fêter ses 18 ans, est scolarisée au lycée français de Los Angeles et pratique assidûment la danse classique. Sans surprise, Jade Hallyday, comme son illustre père, passionnée de chant et fait partie de la chorale de son lycée. Américaine dans l'âme, la jolie brune a totalement adopté le style de vie californien. Comme toutes les jeunes femmes de son âge, Jade est très active sur les réseaux sociaux, où elle poste de nombreux clichés et vidéos, pour le plus grand plaisir de ses abonnés. Seulement, certaines de ses publications ne font pas toujours l'unanimité. Notamment parmi les fans de Johnny Hallyday, qui se sentent apparemment très concernés par l'évolution de la deuxième fille de leur idole. Jade Hallyday @Instagram Jade Hallyday vivement critiquée ce lundi 13 février, la fille aînée de Laetitia Hallyday a posté deux photos d'elle sur Instagram. On peut la voir dans une mini-robe métallique très près du corps, au décolleté ultra plongeant. La même qu'elle portait lors de l'inauguration de l'exposition consacrée à son père, qui s'est tenue à Bruxelles le 19 décembre dernier. Mais si cette tenue vestimentaire lui va à merveille, elle n'a pas été du goût de tout le monde. En effet, celle qui a officialisé sa relation avec Michael Sean Clemeniuk en octobre 2022 a reçu une pluie de commentaires négatifs, parfois nauséabonds, sous son post. La plupart proviennent des fans du regretté Johnny Hallyday, qui ont écrit, sur un ton se voulant paternaliste, « La robe vraiment limite, je ne pense pas que Jojo serait très content de voir sa fille habillée aussi provoque à son âge », peut-on lire. Ou encore, un peu trop vulgaire Jade. Dommage, elle est pourtant très belle au naturel. Une autre utilisatrice du célèbre réseau social de partage de photos s'est quant à elle complètement lâchée, visiblement scandalisée et allant jusqu'à interpeller Laetitia Hallyday. Oh là là, tu as quel âge? Désolé, tu vas pas au bois de Boulogne? Franchement c'est horrible d'avoir une jeune fille jolie mais absolument très très provocante, après on s'étonne. Au secours la maman, faites attention. Les filles Hallyday jugées sur leur comportement. Jade Hallyday n'est pas la seule de la famille à s'attirer les foudres de certains. Ainsi, sa petite sœur, Joy Hallyday, a fait bondir Kelly Vedovelli sur le plateau de Touche pas à mon poste, après avoir posté une vidéo sur son compte TikTok où on la voit danser de manière assez suggestive. Pour moi, c'est le summum de la vulgarité. Alors, on va dire, oui, mais Kelly ceci, Kelly cela, Kelly, elle a 32 ans, la petite, elle a 14 ans. Moi, à 14 ans, aller chercher des photos de moi comme ça, il n'y en a pas, s'est elle emportée le 30 janvier dernier, allant jusqu'à insulter l'adolescente. Pour moi, c'est hyper vulgaire avec sa langue, sa bouche, ses nichons. Je trouve ça d'une extrême violence physique et psychologique, ça ne va pas du tout. Et alors que Raymond Abou prenait la défense de Joy, la chroniqueuse a répliqué, que ce soit elle ou une autre adolescente, il ne faut pas faire ça. Parce que c'est la nouvelle génération, on a le droit d'être des teupus? Non mais arrête, tu délires. Laetitia Hallyday et ses filles, Joy et Jade @bestimage Joy Hallyday a pu compter sur le soutien de nombreux téléspectateurs, ainsi que sur celui de ses proches. Sandra Sisley, la femme de l'acteur Tomer Sisley et amie de Laetitia Hallyday, a pris la parole sur Instagram pour faire savoir à Kelly Vedovelli qu'elle était allée trop loin. Une adulte traite une enfant de PE à la télévision? Depuis quand insulte-t-on des enfants à la télévision? Elle est comme toutes les ados de son âge et ce n'est pas parce que c'est la fille de Johnny qu'elle a le devoir d'être exemplaire.
point, je suis certaine que vous saurez vous excuser et que vos mots ont dépassé votre pensée, je l'espère en tout cas. Qu'en pensez-vous ?